aujourd'hui, je vous propose qu'on puisse vous transmettre officiellement le document qui est une interpellation citoyenne. Marc, on vous fait la suite au fait au niveau de la lecture des témoignages. Je vais appeler une de mes premières collègues à venir intervenir. Ce sont des témoignages qui ont été réalisés par nous tous et parmi les personnes qui sont ici déjà. Je vous laisse découvrir un parcours, un moment de leur vie. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sylvie et je travaille chez Lire Écrire. Nous souhaitons vous présenter une compilation de témoignages significatifs provenant de bénéficiaires de nos services sociaux, d'apprenants en alphabétisation, de travailleurs sociaux et de citoyens d'Ixelles. Ces témoignages reflètent fidèlement les difficultés auxquelles de nombreuses personnes sont confrontées dans notre communauté. Ces récits, récoltés avec soin, offrent un aperçu réel des réalités vécues par nos concitoyens. Ils mettent en lumière les défis quotidiens auxquels ils sont confrontés et témoignent de l'importance des services sociaux et de l'éducation pour leur épanouissement personnel. Nous espérons que ces témoignages vous fourniront une perspective précieuse sur les préoccupations et les besoins de notre population. Et nous vous encourageons à les prendre en considération dans vos décisions et initiatives futures pour le bien-être de toutes et de tous. Alors voici le premier témoignage. Je suis une personne qui a besoin d'une attestation du SPF handicap pour bénéficier du tarif social. J'ai finalement réussi à trouver l'attestation sur le site MySPF. Mais quand je l'ai envoyée, on m'a dit que c'était une autre attestation que je devais fournir. C'était une autre démarche difficile pour moi, car je ne suis pas très à l'aise avec les outils numériques. Je me suis sentie perdue et découragée. Finalement, j'ai dû me rendre dans un service social de première ligne pour obtenir de l'aide pour faire cette demande. Cela a pris beaucoup de temps et d'énergie supplémentaire. J'espère vraiment pouvoir bénéficier du tarif social dont j'ai besoin maintenant que j'ai fait tous ces efforts. Un deuxième témoignage. J'ai récemment demandé à ma mutuelle le statut PIME et ils m'ont demandé toute une série de documents tels qu'un lettre de rôle, une fiche de paye, une fiche de chômage pour la période d'emploi et bien d'autres encore. Trouver tous ces documents a été très difficile pour moi. J'ai dû demander l'aide d'un service social pour les récolter. Tout cela a pris énormément de temps, à la fois pour rassembler tous les documents et pour le traitement de mon dossier. Et ce, sans compter le stress et l'anxiété que cela m'a occasionné. Encore un témoignage. En tant qu'assistante sociale, simplement, afin qu'elle puisse inscrire ses enfants à la natation. De plus, nous avons rencontré des difficultés pour trouver l'endroit exact où effectuer l'inscription. Initialement, il fallait qu'elle passe un test préliminaire, ce qui m'a pris plus de 40 minutes pour effectuer. Dans ce cas, il aurait été bien plus simple et rapide pour madame de pouvoir inscrire directement ses enfants en se rendant à la piscine. Cette expérience souligne les conséquences néfastes de la dématérialisation des services, en particulier pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec les outils numériques ou qui ont un accès limité à Internet. Les obstacles rencontrés par madame dans son processus d'inscription ont entraîné une perte de temps considérable, à la fois pour elle et pour moi en tant qu'assistante sociale.
Cette situation a ajouté des difficultés supplémentaires à une démarche déjà stressante pour madame, qui cherchait simplement à inscrire ses enfants à des cours de natation. La dématérialisation excessive des services publics peut exclure les personnes les plus vulnérables de l'accès à des ressources essentielles et créer des barrières supplémentaires pour les individus qui ont déjà des difficultés sociales ou économiques. Il est essentiel de prendre en compte les besoins et les capacités des citoyens lors de la mise en place de ces systèmes numériques, afin de garantir l'égalité d'accès aux services publics pour tous et pour toutes. Encore un témoignage. J'ai essayé de remplir ma déclaration d'impôt par MyFin, mais c'était trop compliqué, surtout à mon âge. Devoir prendre des rendez-vous avec les banques et effectuer des virements tout seul, c'est vraiment compliqué. La terminologie utilisée est difficile à comprendre et j'ai du mal à obtenir de l'argent liquide. La technologie évolue tellement rapidement, c'est difficile à suivre pour les personnes âgées comme moi. Tout change constamment, avec des termes différents qui sont incompréhensibles pour la plupart d'entre nous. Malgré tous nos efforts, nous sommes souvent complètement dépassés. Il prend temps de penser à nous et à nos difficultés. Internet et les smartphones posent également des problèmes pour nous. Facebook, c'est du chinois pour nous. Nous avons besoin d'une meilleure prise en compte de nos besoins et de nos compétences. Simplifions les procédures et les terminologies et donnons-nous le temps d'apprendre et de nous adapter. Bonjour tout le monde, je suis Loshir Zara, je travaille à Lire et Écrire Central PAXL. Je continue dans les témoignages. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que les personnes comme moi ont besoin d'aide et d'accompagnement en personne. J'assiste à des ateliers pour apprendre à utiliser des outils numériques comme le code à Molenbeek, Médor à la tricoterie et d'autres encore. J'ai 81 ans, je vis seule et j'ai du mal à me déplacer. J'ai souvent besoin de quelqu'un pour m'aider à apprendre à utiliser l'ordinateur et Internet. Médur Taklit, elle dit, pour prendre un rendez-vous à la mutuelle ou à la commune, il faut le faire sur Internet et je trouve cela très difficile. Je préfère le faire en personne. Wimbe Jumana Céline, elle dit, je suis obligée de demander à quelqu'un de m'accompagner à un rendez-vous. Il m'est difficile de prendre un rendez-vous en ligne ou par téléphone. Adgir Alima, je trouve qu'il est difficile de répondre par email, prendre un rendez-vous en ligne est également compliqué. La banque ne répond pas. Je dois donc me déplacer pour prendre un rendez-vous. Odour Mohamed, pour moi, prendre un rendez-vous en ligne est très compliqué. Barini Niomo, je trouve que les distributeurs de tickets à la commune sont très complexes et fatigants. Je ne suis pas à l'aise avec ces machines et je ne sais pas comment choisir le guichet approprié. London Josie Marlène, il est difficile de prendre un rendez-vous car il n'y a plus de guichet pour nous aider. Souar, cela peut être très compliqué pour les personnes qui n'ont pas étudié ou qui ne parlent pas très bien français. Car il n'y a pas de personnel pour nous aider, nous devons tout faire nous-mêmes avec les machines. Lorsque j'ai besoin du document à la commune, composition de ménage, pièce d'identité, je rencontre des difficultés pour prendre un ticket. Je ne comprends pas tous les mots qu'il y a sur l'appareil. Je lis trop lentement. Il arrive qu'ils changent aussi les appareils et il faut à nouveau s'habituer. Quand il s'agit de faire une démarche, prise de rendez-vous, envoyer des documents par mail, je demande à mon assistante sociale de le faire. Pendant la période du Covid, j'ai été contrainte à appeler le bureau de mutuelle pour faire des demandes de documents. Souvent, on me mettait en attente et on finissait par me raccrocher au nez. Parfois, on me donnait le mail de différents agents de la mutuelle et je devais faire ma demande par mail, moi qui ai des difficultés à tenir un crayon. Quand je vais à l'hôpital, à la commune, et que l'on me dit de m'inscrire par Internet, c'est comme si on m'envoie balader.
parce que je ne sais pas me débrouiller seule. Au consulat du Maroc, pour prendre un rendez-vous par Internet, et si tu n'es pas capable de le faire, il y a un service extérieur qui le fait pour toi, en échange de 10 euros par rendez-vous. L'usage d'un ordinateur, d'un automate, me met en situation de stress. Je ne comprends plus les informations, je n'arrive plus à les lire. Quand je suis face à un robot au téléphone, je suis vite dépassée. Il y a trop d'informations d'un coup. Pour envoyer un mail ou m'inscrire sur un site, je fais appel à mon frère. Je ne sais pas toujours les termes. Souvent, il y a un langage, un vocabulaire trop technique. Hussein, il est quelque peu difficile de communiquer par téléphone, car il pose de nombreuses questions auxquelles il faut répondre. Il est difficile de faire les démarches seul et les rendez-vous sont trop éloignés.